la Slovénie a élu la première femme présidente de son histoire, Nataša Pirc Musar. Candidate sans parti, elle a été élue le 13 novembre avec 54% des voix. Elle est issue d'une famille ouvrière, c'est sa première participation à une élection. Avant ça, elle a déjà eu plusieurs carrières. Journaliste, elle a présenté les informations à TV Slovenia puis Pop TV avant d'étudier le journalisme aux États-Unis. Avocate, spécialisée dans la protection des données personnelles, elle a assuré des fonctions d'experte dans ce domaine pour l'État slovène et l'Union européenne. Pirc Musar a ouvert son cabinet en 2016. Elle a notamment défendu Melania Trump, épouse de l'ex-président américain né en Slovénie. So she has her own attorney in Slovenia, and I'm probably mispronouncing this. Pirc Musar. Aujourd'hui, elle est copropriétaire de 3 sociétés et détient de nombreuses actions. Elle a déclaré renoncer à toutes ses fonctions de gestion, mais son mari est soupçonné d'évasion fiscale. En Slovénie, le rôle de président est surtout symbolique, mais Pirc Musar pourrait bien affirmer son rôle. Le président ne peut pas être neutre, il doit avoir une opinion, a-t-elle déclaré. Elle veut rassembler et s'est montrée sensible aux dérèglements climatiques. Elle prend ses fonctions le 22 décembre.